Bonjour et bienvenue, c'est Petit Chinois d'ANC. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo au sommaire de laquelle je ne sais pas trop ce qu'on va faire encore pour l'instant. On va voir. En tout cas, il faut savoir que je tiens à m'excuser du fait de ne pas avoir posté beaucoup de vidéos dernièrement. C'est dû à une causalité de choses, tu vois. À une multitude de facteurs, comme entre autres ce spawn que je faisais pour quelqu'un qui m'a vraisemblablement lâché, puisqu'il m'a viré de ses contacts Skype avant même que je puisse lui rendre le truc. Donc j'en déduis qu'il ne veut pas, et donc je n'aurai rien à en tirer de ce spawn. Donc finalement, je le continue à titre personnel, tu vois, titre privé, et je lui enverrai la photo comme un enfoiré quand j'aurai fini la construction, lui disant « ça, c'est pas pour toi, va te faire foutre avec un petit doigt d'honneur si je peux ». Non, restons polis, avec un pouce en l'air. Donc voilà, ça c'est une des choses pour en partie pourquoi j'étais très très inactif dernièrement, en plus du fait que j'étais pas très inspiré, je joue beaucoup à StarCraft aussi. Il y a eu mes résultats d'examen que je n'ai malheureusement pas eu. Et ça m'a assez dégoûté, vois-tu. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Je me rattraperai sur le second semestre, comme j'ai l'habitude de faire. Sauf que c'est une habitude que j'aimerais pas conserver. Donc vous voyez là le spawn qui est juste ici. C'est un spawn tranquillement fait. Le commanditaire de ce spawn m'avait demandé un truc un peu sur la base du château d'Anoriata. Donc j'ai fait un peu dans le même style, mais avec des matériaux différents. Donc voilà, c'est une sorte de mini château. C'était un spawn pour un serveur PVP. Mais comme je vous l'ai dit, le mec m'a lâché comme un enfoiré, donc je le continue personnellement. Je sais pas si je ferai des let's build dessus, très honnêtement, sans doute, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je suis un peu moins parti. Ah oui, une chose importante à noter, c'est qu'il y a des putains de patterns pairs. Tu vois, là, mon gars, ici, c'est pair. Et ici, mon gars, ça me les casse très profondément. Puisque, en fait, le pair, c'est absolument sale. On peut faire des choses jolies. Il faut travailler le pair. Mais tu vois, ici, c'est pair aussi. Et c'est... J'aime pas. Oh, ça m'irrite comme ça, là, tu vois. Et j'arrive sur le truc, je fais du pair et j'ai pas mon repère. Boum, jeu de mots. Je vais faire des verres. Non, j'ai pas mes repères quand je fais du pair. Et c'est ce qui m'embête, en fait. C'est vrai que je travaille le père comme un malade, mais bon, j'ai peur de me faire violer par les pères. Bon, arrêtons. Donc, un petit spawn tranquille, c'était un spawn 100 sur 100. Très honnêtement, je devais être rémunéré pour ça. Donc ça m'embête un petit peu aussi qu'il m'ait lâché le gars. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Enfin, quoi que ça arrive, je ne sais pas. En l'occurrence, moi, je vais me payer un nouveau PC pour pouvoir vous faire des cinématiques de fou, tu vois. Et puis pour pouvoir aussi, un nouveau PC pour moi, ça équivaut plutôt à des vidéos d'une qualité supérieure, tu vois, genre qualité supérieure pour vous. Pendant ce temps, on voit au fond là-bas une magnifique construction organique, absolument dégueulasse. Ah oui, et puis je suis en texture pack normal là, comme vous pouvez le constater. Donc forcément, c'est pas mal, tu vois, en texture pack normal. Comme quoi, il est pas absolument dégueulasse. Pas totalement. Même, vous voyez, les structures qui sont là-bas, qui sont urine, rendent très très bien en texture pack normal, comme celui-là aussi. Il rend bien en texture pack normal, et donc c'est génial. Et tu vois aussi qu'il y a un bon gros bordel sur ma carte, on dirait ma chambre. Complètement, on dirait ma chambre. Enfin bon, bref. Aujourd'hui, parce qu'un abonné me l'avait demandé sur Skype, donc on m'avait demandé de faire de voir un peu sur le côté, sur le style. Je vais mettre le texture pack en revanche de la dip. On m'avait demandé, oui, je suis en 1.7. Donc d'ailleurs, si vous voulez télécharger le texture pack Deep Academy 1.7.4, il est dispo dans la description. Donc, mise à jour du texture pack. Je suis également en 1.7 et je suis également sur le serveur de la Deep Academy maintenant, puisque on a un relais en Calédonie, tu vois. Nous, on est badass. Pour un seul bonhomme qui habite en Calédonie, on met des relais jusqu'en Calédonie. Donc, ce qui fait que j'ai une fluidité complètement conséquente. Donc, voilà. Ah, et vous voyez qu'en texture pack, là, après, il y a des métadatas qui sont un peu mêlés à la construction. Mais avec le texture pack de la Deep, ça rend encore mieux.
mais en normal c'est aussi beau. Enfin bon bref, on s'en bat les... on s'en fiche. Et donc ouais, on va faire un test de maison en sable, donc de maison dans un style complètement désertique, donc avec beaucoup de sable, de sandstone, ou de sable durci, ça dépend de ton... de si tu parles plutôt français, si tu fais plutôt du franglais, tout dépend. Donc ouais, on va plutôt faire dans un style donc oui, désertique, tout simplement, ce bois me paraît pas mal. Et ouais, avec du bois, un petit truc fort sympathique, vois-tu. Je ne sais pas du tout comment je vais le faire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais le faire. Ça me paraît déjà être un bon début, je sais pas vous, mais ouais, ça me paraît être un bon début. Donc, ouais, complètement un moment de pause, là tu te demandes ce qui se passe, c'est absolument normal. Ouais, ok. Donc on va travailler principalement, même que, avec du sable et du bois. En fait, je crois que limite, les matériaux que je vais utiliser, je ne suis même pas sûr d'utiliser ça en fait, je vais le garder tout de même. En fait, les matériaux que je vais utiliser, donc en l'occurrence, ça sera ce que j'ai dans la main en fait. Et je suis même pas sûr d'aller utiliser autre chose. Ah non, attendez. On va s'agrandir nos possibilités, puisque, étant avec le texture pack de la Deep, j'ai donc accès... En plus, je suis sur le serveur de la Deep, donc il y a le plugin qui le fait bien, tu vois. Donc j'ai donc accès à une flopée, vois-tu mon ami, une flopée de metadata complètement pété, les uns avec les autres. Et donc ce bloc-là, hop, tu vois, j'ai un metadata pour... Ah, mais ils sont là-bas au fond. C'est génial, j'avais déjà posé des blocs pour... Je suis complètement prévoyant. Donc ouais, on va sans doute utiliser un de ces deux blocs. Je pense que le plus mat me paraît pas mal. Enfin bon, vous voyez, avec les metadata du texture pack, vous avez une plus grande possibilité de construction. En revanche, pour ceux qui vont me le demander dans les commentaires, parce que je vous connais à force, bande de coquins, pour avoir accès à ces metadata, pour pouvoir les voir tout simplement, il faut avoir Optifine, donc installer Optifine. Voilà, tout simplement. Alors, juste changer de shaders. Voilà, Seus 1.8, c'est avec ça que je build. Donc là, si vous avez toutes les informations nécessaires sur cette vidéo aujourd'hui. Donc Seus 1.8. Et donc, pour le style désertique, je pense qu'il ne faut pas travailler sur des hauteurs de fou. Puisque, en l'occurrence, si on commence à travailler sur une hauteur de fou, tu vois, de fou malade, complètement pléonasme, mais si on commence à travailler sur une hauteur de forte importance, on va avoir du mal, je pense, au niveau proportion, à faire quelque chose d'intéressant. Après, c'est mon humble avis, mes amis, c'est mon humble avis, mais ça me paraît un avis quand même pas mal éclairé, de par l'expérience que j'ai. Mais après, le style désertique, je vous dis, j'en ai jamais fait. Enfin, si j'ai dû en faire. C'était. Je dois avoir encore la carte. Ça doit être une carte solo. Je vais essayer de la trouver pour vous la montrer. 1, 2, 3, 4, 6. Let's build est absolument pas du tout intéressant au niveau de ce qui va être construit. Tu vois, ça peut arriver. Genre, j'arrive, je construis de la merde. Ça arrive, mon gars. Et donc, à ce moment-là, je le supprimerai. Dernièrement, j'ai pensé à un truc, c'était en fait, vous saviez, vous vous rappelez du build review où j'avais fait un plot, et ben je pensais en fait à faire ce genre de plot, cette fois-ci sur des serveurs, tu vois, hop, je viens sur un serveur comme ça, au hasard, bim, et bam, je construis mon petit truc, comme ça, il est en libre accès pour tout le monde, vis-à-vis de ce serveur. Bon, après, bien sûr, indirectement, ça fait de la pub pour le serveur, même l'un dans l'autre, ça rassemble une communauté de gens qui s'aiment, enfin qui s'aiment, je sais pas si vous vous aimez les uns les autres, vous vous connaissez pas, mais qui aiment, qui est réunis, tu vois, pour une même cause, un même but, et donc ça peut être intéressant. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire une hauteur sur plafond, sous plafond, sous plafond, complètement exceptionnel. Je vais faire un truc relativement
relativement simpliste. Après, c'est du désertique. Donc là, vous savez, on va avoir déjà... vous êtes sûr d'avoir des toits plats. C'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. C'est le style qui veut ça. Donc, on va quand même un minimum respecter le style. Alors, attendez, on va travailler de manière logique. C'est-à-dire que là, j'ai trois patterns à faire. 5 et 3. Et j'ai un peu mal à la gorge. Donc, ouais, j'ai trois patterns à faire. Donc, de ce fait, on va travailler sur ces deux patterns-là pour gagner du temps, tout simplement. Il limite ce qu'on pourrait faire, tu vois, parce que ça pourrait être kiffant, tu vois, de faire cette sorte de boule. Non, même pas. En fait, j'aimerais bien incorporer du bois. Donc, à ce moment-là, le bois, on pourrait le mettre juste là. On dirait un... Ça, tu vois, c'est un bois qui est génial, je pense, pour faire du... Par exemple, tu fais un dragon avec ça. Il faudra que je teste. Tu fais un dragon avec ça et ça doit le rendre super bien parce que tu vois, il a un côté cailleux, un côté écaille. Et donc, je pense que ça pourrait être assez intéressant en soi de, eh bien, de créer un dragon avec ce bois-là. Enfin bon, il faudra d'ailleurs que je teste de faire des dragons let's build. Je vous avoue que je me suis jamais vraiment penché sur le sujet. Tu vois, je me suis penché à côté du sujet, mais pas vraiment sur le sujet. Donc ça peut être intéressant. Je ne sais pas. Mais bon. En tout cas, sachez qu'en organique, le principal, on va dire, là où il faut faire attention, où tout se joue en fait, ça va être au niveau tout simplement de votre proportion. C'est-à-dire que si vous avez une... En organique, si vous avez une bonne proportion, en général, votre construction, votre organique rendra forcément bien. Mais bon, voilà, tout se joue sur la proportion. C'est comme un dessin, c'est-à-dire tu fais un dessin disproportionné, il est absolument dégueulasse, tu peux le jeter. Alors que si tu fais, c'est la même... Par analogie, on va utiliser des mots scientifiques, tu vois. Par analogie, si tu fais un organique mal proportionné, ça sera absolument dégueulasse. Et la preuve en est, là-bas au fond, tu vois, il est absolument dégueulasse. Mais bon, comme je vous dis, pour savoir si ce que tu fais, c'est moche, enfin pas pour ça. Non, plutôt. Pour arriver à faire de belles choses, je vais reformuler ma phrase, pour arriver à faire de belles choses, il faut passer par cette étape dégueulasse qui est là-bas au fond. Parce que c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est tout. Non, c'est un aspect... c'est l'expérience, mon gars, qui parle, tu vois. Si j'ai envie de te dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Ça paraît con, mais c'est comme ça, en plus. Hein. C'est-à-dire que si tu veux t'améliorer quelque part, en build, dans les cours, tout simplement, c'est du travail, malheureusement. Enfin, malheureusement, peut-être heureusement, ça évite les... Je ne sais pas. Mais ouais, c'est du travail, tout simplement. Donc voilà, avis à ceux qui veulent s'améliorer, en ce qu'ils veulent. Hein. C'est parfaitement transcrit. Tu peux parfaitement le considérer dans d'autres matières que Minecraft. Hein. Tout ne tourne pas autour de Minecraft, mon gars. Mais donc voilà. Vous voyez, là, on a notre petit bulle, on a notre petit bois. Très simple. Le bois qui vient juste mettre une couche, mon jeune ami, de légèreté. On peut remettre du bois un peu devant. Tu vois, en mode, je mets du bois un peu devant. Et ouais, en fait, limite, sur cette partie-là, sur cette portion-là même, en fait, on aurait pu faire ce décalage de couche. C'est-à-dire que cette portion-ci, on la ferait en bois. Alors à ce moment-là, on virerait la partie inférieure. Mais donc la portion au-dessus, ici, on la ferait en bois. C'est ce qui viendrait donner déjà un petit côté contrasté à la construction. Donc un petit côté contrasté, un petit côté tranquille. Pas du tout tranquille, mais non, ça donnera un petit côté sympathique. Sympatrique. J'aime les jeux de mots pourris. Et donc ça pourrait être très intéressant. Vous voyez, ça vient casser ce côté full stone et ça vient mettre, vous voyez, un petit peu de
un petit peu de contraste tout simplement. Ce contraste qu'on pourrait pousser eh bien jusqu'au bout, c'est-à-dire que hop ici, je vais y mettre du contraste, mon jeune ami. Et voilà, là mon gars, je vais plus bientôt me sentir pissé. Non, cette maison n'est pas en soi extrêmement travaillée. Elle est juste maisonnette. Voilà, c'est une petite maisonnette tranquille. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est une fence, ou peut-être pas une fence. Est-ce qu'on a, alors on va voir un peu jusqu'où va le texture pack Deep Academia. Alors, on va aller voir un peu jusqu'où mon ami le texture pack, il va. D'accord. Ok. Ah, attention, on s'approche du bois. Je crois que ça c'est le bois du qu'on a au-dessus. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est du quartz. Oh, c'est intéressant. Oh, d'accord, très intéressant aussi. Enfin bon, vous voyez que les metadata, ça vous offre une grande variété de possibilités. Et c'est le truc intéressant avec les metadata, tout simplement. Non, visiblement, j'ai pas le bois que je voulais. Je pourrais me servir de celui-là. J'ai peur, on va tester, hein, mais... Ouais, non, on va même pas s'en servir. J'aurais bien aimé avoir un truc, mais bon. C'est pas grave. On va laisser ça relativement plat. Vous voyez. On va peut-être mettre des vitres. Des petites vitres. Vitres de couleur. Tant qu'à faire. Hein. Tant exploiter le machin jusqu'au bout de la nuit, mon gars. Hop, voilà, je l'exploite jusqu'au bout de la nuit. Je vais juste mettre... Hop, voilà, histoire d'avoir une continuité sur la chose. Et en fait, le problème étant que là, à ce moment, je vais peut-être utiliser les bûches. Je vais voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez, j'ai un problème qui est... Ah mince, ça, c'est le problème des metadata. Enfin, sur le serveur, en tout cas. Non, en fait... On va utiliser du bois. On va utiliser le même bois qu'on a ici. Hop. Donc ouais, on va utiliser le même bois qu'on a ici parce que là déjà ici j'ai une montée. Puis parce que sinon ça va être problématique. Et à ce moment-là, ce qui serait bien de faire, ce serait de décaler celui-là. Hop ici et on pourrait à ce moment-là le mettre. Eh bien, le mettre un cran au-dessus. Alors, il est à la fin, il me semble. Ouais. Donc, le mettre un cran au-dessus. Sans efforceur. Oh, goddammit. Mais t'es sérieux, mon gars? Tu vas arrêter de me casser les... Hein, tu vas arrêter. Alors, hop. Voilà. C'est, je trouve, le défaut de ce plugin qui nous permet de changer de metadata. C'est-à-dire que quand vous avez... placer par exemple une bûche placée dans ce sens-ci, si je le prends, si je la prends, pardon, elle a un metadata particulier. Regardez, je vous montre. Elle va avoir un metadata particulier qui est, voilà, le log 9, enfin le metadata 9, c'est-à-dire que ça sera ce bloc-là dans cette position, quand je vais le placer, ça sera tout le temps dans la même motherfucking position. Et donc, c'est le, on va dire, le petit défaut du texture pack, enfin non pas du texture pack mais du plugin. Bref. On n'a pas toujours que des avantages. Donc là, j'ai mon rez-de-chaussée, enfin j'ai mon truc qui est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper premièrement du rez-de-chaussée. Je vais faire des copier-coller tranquillement. Donc je m'occupe du rez-de-chaussée. Hop, position 2. Et un petit copier-coller de partout, et c'est, ça ira bien. Copie. Et on va le faire dans le... Alors, celui-là, non. Voilà. Rotate 90, mon gars. On se place et on colle. Tu vois, c'est... Au lieu de tout faire à la main, eh ben, tu fais pas tout à la main. Tout simplement, tu utilises les outils qui sont à ta disposition. Bon, alors, bien entendu, il faut venir retravailler certaines sections qui de fait
ne sont pas bien travaillées à cause du texture pack. Enfin, non, à cause du. Pas du texture pack du tout, on va arrêter d'accuser tout le temps du texture pack, mais à cause du. Vous voyez, du coin là, c'est le problème. Hein. Donc là, c'est 5. Là, c'est 3. Donc hop, un petit rotate 90 encore une fois. Et passe-moi là. Bim. Et donc maintenant, je prends les patterns de 5. Donc, petit pattern de 5. H position 1. Ça correspond, en fait, ça sélectionne le bloc que vous avez, que vous pointez. En position 1. Alors que 100 mètres de H, ça vous met la position au niveau de vos pieds. Copie. Hop, voilà. Et maintenant, on colle ça partout. Hop, on rotate 90. Et un paste. Passe-moi ça. Bon, ça, vous connaissez, mon gars. Les gars, s'il n'y a pas de problème. Hop. Et limite, je devrais même pas dire les gars. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des gars qui regardent la vidéo. Je suis complètement, complètement machiste en disant ça. Je devrais dire les gens. Tu vois, un truc... Ou alors, il faudrait que je vous trouve un surnom. Un surnom à la communauté. Les bandes de builders, tiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a tellement de surnoms possibles. Bande de coquins. Eh ben non. Ouais, bah oui, si. Bande de coquins, c'est parfait. Hop, voilà. On a donc notre petit pattern du bas qui est fait. J'ai l'impression de travailler sur de la musique. Marrant parce que sur la musique il travaille aussi par pattern. Enfin, je sais, j'ai déjà dû le dire, mais j'aime me répéter, radoter comme un vieux complètement. Donc, ensuite pour le second niveau, ce qui va se passer, c'est que est-ce que je replace cela en tant que base? Ouais. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un test. Je vais faire un test. Alors, avis aux gens qui aiment le travail bien fait, c'est pas du tout pour vous là, parce que ça va être limite en mode je m'en tamponne l'oreille avec une babouche complètement. Non, je vais faire un test de mec complètement flemmard. Alors, attention, test en cours. Bim. D'accord. En fait, ce qui aurait été intéressant de ma part, en fait, pas intéressant, mais plus intelligent plutôt, ça aurait été d'abord de former le deuxième étage. Et à ce moment-là, en fait, j'aurais pu travailler, voyez-vous, sur deux patterns à la fois. En l'occurrence, c'est pas du tout ce que j'ai choisi de faire parce que j'ai pas du tout réfléchi à la suite des événements. J'ai foncé tête baissée, tel un imbécile, sur ce que je devais faire. Donc, je me retrouve dans une situation où je suis dans la merde. Enfin, dans la merde, non. Mais où je vais devoir fournir plus de travail que ce qui était prévu. Et oui, il faut essayer de travailler la manière la plus rentable possible. Enfin, rentable au niveau du temps. Hein. Donc, de la manière la plus rentable possible pour vous. Ce qui vous permet, en fait, de faire des gains de temps. Tu vois, par exemple, j'aurais travaillé directement avec mon second étage, j'aurais pas eu de problème. Le fait est que, je ne l'ai pas fait. De ce fait, j'ai donc un problème. Et oui. Et en parlant de problème, d'être pas sans savoir que je suis en droit et que donc je vois des problèmes de droit. Quelle magnificence, c'est génial, t'as vu. Et donc en problème de droit que je vois, par exemple des gens qui ont saisi les juridictions pour leur jugement, vois-tu, et bien j'ai ce genre d'individu qui s'étant pris une putain de boîte aux lettres dans la tronche décide de porter plainte. Tu vois un peu à quoi sert la justice en France. Et oui, tu te prends une... En plus, ils gagnent. Hein. Enfin, je sais pas. Hein. Attention, hein. C'est pas des mecs qui perdent. Hein. C'est celui qui suit, ceux qui fait un recours contre toi parce que t'as de la boîte aux lettres à des pas sur la rue de manière normale
et qui se l'est pris dans la gueule parce qu'il était en train de jouer avec son iPhone, il gagne. Tu te rends compte? Ah. Et quand tu te dis que tu vas peut-être travailler là-dedans, ça a la limite de se faire désespérer parce que tu te dis, putain, mais imagine, toi, en tant qu'avocat, t'as un client qui vient et qui te demande de le défendre pour une histoire de boîte aux lettres qui s'est pris. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu ridicule, mais bon. Je t'ai payé quand même pour ça, quoi. C'est merde, quoi. Tu fais pas de recours pour ça. Enfin bon, justice française, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est complètement bancale. On va peut-être faire des petits cœurs, tu vois. Hop, un petit cœur, tu sais, comme les trucs que tu manges, ou pour la Saint-Valentin. En l'occurrence, c'est pas la Saint-Valentin, donc on s'en fout. On va faire un truc normal. Voilà. Parfaitement normal. Je vais faire en haut et en bas. Oui, c'est le concept. En haut et en bas. Hop, juste ça. C'est juste, encore une fois, c'est une sorte de petit clin d'œil, tu vois. Hey, salut, ça va? Non, c'est une sorte de petit clin d'œil. À ce moment-là, tiens, tu vois, le petit clin d'œil, ce qu'on pourrait faire en plus de ça. Hop, je vais clin d'œiliser la chose. Hop, là, tu vois, on a une forme de fenêtre très bien formée. Non, on a une forme de fenêtre assez particulière en soi. Particulière ne veut pas dire moche, attention. Ça veut dire particulière. Et donc c'est sympathique. Saint-Patrick. Ah, désolé, il faut que je fasse des jeux de mots nuls. C'est le concept même de la Deep Academy, c'est-à-dire qu'on ne vit que avec des jeux de mots nuls. Sinon, on se fait chier, en fait. Tout simplement. Et puis, je suis fatigué. C'est pour ça que je fais des jeux de mots nuls. Et donc, ouais. Quand je suis fatigué, je fais des jeux de mots nuls. Voilà. Donc maintenant, quand vous entendrez des jeux de mots nuls de ma part, vous saurez, bande de coquins, que je suis fatigué. Et ben voilà, on a un deuxième étage qui est assez intéressant en soi. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier et le coller. En fait, non, je vais pas le copier juste lui. Je vais copier lui et son copain. Non, celui-là, il vire. Non, en fait, non, je vais le copier-coller que je vais copier juste lui. Puisque j'ai pas besoin de l'autre, on s'en fout complètement en soi. Position 2. Et donc là, je vais me placer de manière. Copie. Hop. Hop ici. Rotate moins 90. Voilà. Passe moins A. Bim. Et ben voilà, c'est génial. Encore un autre rotate moins 90. Passe-moi ça, je vais devoir faire une pause puisque mes parents viennent de rentrer. Donc je vous reprendrai eh bien, après cette petite coupure pour faire le petit pattern de 3 qui reste ici. Je vais juste faire mon dernier copier-coller histoire de voir un peu ce que ça donne tout simplement. Passe-moi ça, bim. Oh god damn it, are you serious, bitch? J'ai oublié mon petit rotate 90, passe-moi ça, bim. Ça me paraît bien engagé, très honnêtement. Donc ouais, je vous laisse et je vous reprends après, tout de suite en fait pour vous. Allez, à tout de suite. Ok, très bien, me revoilà pour la fin de la vidéo, tout simplement. Alors faut savoir que c'était pas une petite pause pour moi. Donc c'était une pause de, je sais pas, là il est minuit 20, et j'ai commencé ma pause à 5h, non à 6h, juste 6h de pause, donc en 6h j'ai eu le temps de faire un petit organique là-bas, je vous montrerai plus en détail, et bien juste après la fin de cette construction, tout simplement. Alors attention, c'est un organique troll. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ouais, vous allez vite comprendre pourquoi. Vous inquiétez pas, faut pas me prendre au sérieux. Donc ouais. Je vais vous montrer ça tranquillement.
vous allez être en mode mais il est pas bien, chose que vous avez parfaitement le droit de faire. Et donc ouais, on finit la petite maison. Vous voyez le petit pattern de 3 qui restait à faire, en soi il n'est pas compliqué. Il n'y a même pas de truc particulier puisque voilà, c'est un pattern comme ça qu'on fait. C'est-à-dire le plus simple du monde. Enfin, c'est celui que qui est le plus simple, tout simplement. Donc voilà, on a donc notre pattern de 3 qui est fait. On va juste le copier-coller. Ah oui, il y a eu du passage aussi au niveau de la Deep Academy, il y a eu des gens qui sont passés tout simplement. Puisque c'est un peu le concept du serveur. Donc ouais, il y a eu des gens qui sont passés. Là en l'occurrence il y a Skrill. Et bien d'autres encore qui étaient passés tout à l'heure. Taille 90, 180, passe moins 1. Goddammit. Ouais, donc voilà, là la maison est. Elle est terminée, enfin terminée. Il me faudrait agencer un peu plus cette zone-ci. Peut-être prévoir des portes d'entrée, histoire de dire. Mais sinon, en soi, ça serait plutôt comme ça. Sur les bordures, je mettrais bien, voilà, quelque chose dans le genre, quelque chose de très simple. Est-ce qu'il était de retour? Il m'avait semblé. Il a dû repartir. Donc ouais. Pour cette zone-ci, on va juste faire une délimitation comme ça. En mode très simple, avec une surélévation sur le côté. Voilà, comme ceci. Et donc ça le fait bien. Donc à ce moment-là, ici on pète ça. On vire la vitre, on vire toutes les vitres en fait. On met du quartz, enfin pas du quartz, du lapis lazuli, et une porte, histoire de suggérer que on peut y accéder et donc se suicider. Peut-être pas laisser ça vierge, peut-être un peu venir le non, pas faire cette blague. Je me suis retenu de faire une blague absolument atroce pour vos oreilles, mais là c'est absolument normal, je suis complètement fatigué, c'est pas ce qui va. Ça ne m'empêchera pas d'aller jouer à StarCraft juste après. Mais je vais perdre. Parce que quand je joue à StarCraft, quand je suis fatigué, je perds. Normal. Parce que StarCraft, c'est un jeu hyper. Intellectuel, vois-tu? Non, en plus, je déconne pas, c'est vraiment intellectuel. Enfin, je veux dire, ça demande beaucoup de ressources. Non. Ça demande beaucoup. Personnellement, quand je joue à StarCraft, par exemple, en étant fatigué. Je fais que de perdre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que je sois reposé. Alors que Minecraft, plus t'es fatigué, plus t'es créatif, limite. Ce qui est pratique en période de vacances. Parce qu'en soi, en période de vacances, je suis limite plus fatigué qu'en période scolaire. Bizarre. C'est parce qu'en période de vacances, je mets tout le temps mon réveil. Il faut savoir que je ne suis pas en vacances. Hein. Je tiens à préciser, je ne suis pas du tout en vacances. Moi, je suis en vacances fin d'année. Moi, je suis le rythme de l'année normale. C'est-à-dire que mon année scolaire commence en février, donc elle ne termine pas en juillet. Donc, vous attendez pas une augmentation de vidéos pour ces temps-là. Enfin, pour ces vacances, pour vous quoi, pour vous qui êtes en vacances, pour un certain nombre de chanceux plutôt d'entre vous, puisque tout le monde n'est pas en vacances, mais je pense qu'une grande partie d'entre vous l'est tout de même. Donc voilà, dites-vous que tout le monde n'est pas en vacances.
solidarité, venez travailler un petit peu. Et donc voilà, on a donc notre toit. Vous voyez, je vous avais dit, c'est un toit très très simple puisqu'il est plat. Et donc nous avons donc notre toit qui est fini. Avec notre petite construction, qui est un style désertique, retravaillé par ma part, puisque j'aime pas vraiment être fidèle au style, mais qui le fait bien. Qui le fait bien, je trouve, qui a son petit charme. Et ouais. Et donc voilà. C'en est tout pour cette construction-ci. Ici, ça me dérange quand même. Voilà, c'est mieux. Et notez bien que je me laisse toujours une possibilité de. Là, en l'occurrence, je me suis laissé une possibilité de pouvoir et bien me faire un petit trip sur le bord. Parce que j'aime bien ça. J'aime bien avoir des possibilités comme ça, tu vois, plusieurs arcs à mon. Plusieurs cordes à mon arc pour pouvoir, tu vois, tirer plusieurs flèches. On va mettre un peu de détails. Bouton en bois. Hop, ici. Tu vois, c'est un petit détail. Tu dis, ouais, mais ça ne se voit pas. Moi, je te dis, certes, mais. Tu vois, ça ne se voit pas, mais ça se ressent. Et ouais mon gars. Donc voilà, petite maison en style désertique, avec un petit peu de détails. Enfin, style désertique vite fait tout de même, mais style désertique tout de même. Donc voilà. Ouais, on va aller voir un peu l'organique qui est là-bas. J'ai dû passer 2-3 heures dessus. J'ai fait à la main. Alors faut savoir, je l'ai fait avec WorldEdit. J'avais Voxel, mais je m'en suis pas servi. WorldEdit et la main. WorldEdit m'a servi à placer plus rapidement les blocs. Et ensuite, j'ai retravaillé ça à la main. Un truc très vite fait. Enfin, très vite fait. Très simple à faire. Enfin, quand on a l'habitude. Et ça vous permet d'illustrer le fait que c'est un. Pour les organiques, c'est un gros travail de proportion. Donc là, vous voyez, la proportion est bonne. Bon, l'organique en soi n'est pas forcément beau, puisque je savais pas quoi faire, je fais ça juste pour le troll. Je veux dire, au niveau des proportions, c'est bon. Bon, les mains sont grosses, c'est voulu. Moi, je voulais avoir des grosses mains. Pourquoi? Parce que c'est un branleur. Non, je ne sais pas pourquoi. C'est un délire. Et ce délire... Voilà, je vous laisse libre d'interprétation. On est fou chez les builders, c'est pour ça que des choses sortent de toutes parts sur nos organiques. Donc voilà, un petit organique très simple à faire. Enfin, très simple à faire. Quand on a l'habitude et les bonnes proportions. Et ouais, je trouve ça sympa. Ça m'a bien amusé à le faire. Ouais, donc voilà. Petit organique tranquille. Ouais, attendez. Je voulais vous montrer. Alors, je vais essayer de la trouver. Je vous garantis pas que je la retrouve. Il faut que j'essaie de me rappeler du nom de la carte. Alors, la carte, c'était celle du... Bonne question. Vous saviez, je vous avais parlé en début de vidéo de la carte que j'avais déjà fait des tests de maison désertique il y a fort fort longtemps. C'était quand je faisais Turjat. C'est quand je faisais cette construction-là. Donc ouais, c'était quand je faisais cette construction-là, donc c'était il y a déjà un moment. J'avais sur la carte de test essayé des petites structures en sable. Donc il faut que je retrouve la carte de test. Mais alors, vous voyez le nombre de cartes que j'ai. Donc ça va pas forcément être facile. Je vais rechercher 2 secondes. Boat, cathédrale, Island, Zerusrin, cathédrale, Chinese, Deep Academy, Rambo et Tichina,
Meridana, cathédrale, méga build, New World, c'est pratique. J'aime avoir des noms comme ça. Tiens d'ailleurs, dernièrement, ça me fait penser que ben justement, dernièrement, j'ai testé, je sais pas pourquoi, mais oh, Desert Bundle, ça doit être celui-là. J'ai testé, c'est sûr. Donc ouais, dernièrement, j'avais testé, j'ai joué en survie. Ah voilà, voilà, vous voyez, là, c'est un autre style de désertique. Peut-être plus proche de la réalité, enfin de ce que ça devrait être. Donc voilà, un autre... Putain, c'est le sable qui fait du bruit. Hardcore, mon gars. Donc ouais, c'est un autre style de... Un autre exemple de désertique, de petite maison désertique. Et en soi, c'est assez sympa. Donc oui. Donc voilà. C'est tout pour le désertique. Donc ouais, comme je le disais, avant de vous laisser, j'ai commencé une partie en survival. C'était pour commencer à Survie Beach. Tu connais les titres, les noms de vidéos que j'ai fait. Donc j'ai commencé une partie en survival. Juste pour le lol. Vous voyez. Et en fait, c'était aussi pour accomplir... Chut, arrêtez de crier. C'était aussi pour accomplir mes... eh bien, un de mes défis. Qui avait donc pour but de faire une construction en étant en survie. Donc c'est pour ça que je me suis principalement mis en survie. Et puis parce que j'avais envie de triper. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit let's video vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus, à bientôt, et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, salut!